Bonjour à tous, une météo très ensoleillée pour ce week-end. C'est confirmé, ça va durer jusqu'à mardi. Profitez-en. Ressenti un petit peu frais dans les régions du centre-est ce matin. Regardez avec ce très beau lever de soleil dans l'Ain. Donc on devine ces petites gelées qui se sont formées sur la végétation. Et effectivement, à 7 heures du matin, on avait des températures négatives. C'était le cas par exemple à Aurillac, à Saint-Étienne ou encore à Grenoble. Des gelées moins fortes et moins nombreuses tout de même que ce début de semaine. L'anticyclone est là et il protège quasiment toute l'Europe. Il est centré actuellement sur les îles britannique avec un ciel bien dégagé quasiment partout, alors qu'au sud, on est plutôt sous l'influence de cette dépression qui circule entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et qui ramène quelques passages nuageux sur les Pyrénées. Ça peut donner quelques flocons à assez haute altitude, quelques averses, notamment sur les Pyrénées orientales ou encore le sud de la Corse. Partout ailleurs, donc, du soleil avec ce vent de nord-est qui se met en place. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il a tendance à disperser les polluants qui se sont là aussi accumulés depuis plusieurs jours. Et voyez, grosse amplitude thermique dans le centre-est où on va gagner plus de 20 degrés entre ce matin et cet après-midi, ce sera très doux quasiment partout. Pour demain, on aura un ciel un petit peu plus nuageux près des régions près de la Méditerranée, donc notamment entre le sud-est et la Corse, mais sans grande conséquence, le temps restera sec. Partout ailleurs, on a du soleil, quelques passages nuageux également dans les Hauts-de-France, puisqu'on a le vent de nord-est avec un flux un petit peu plus maritime qui ramène tous ces nuages venus de mer du Nord. Un ciel un peu plus voilé dans le courant de l'après-midi du sud de la Bretagne vers les régions du sud, avec toujours quelques passages nuageux un peu plus nombreux près des Pyrénées ou encore entre le sud-est et l'île de Beauté. Les températures le matin, quelques gelées possibles dans les campagnes et puis dans le courant de l'après-midi, on va même localement gagner encore un petit degré. Ce sera le cas dans le centre-est avec 23 degrés, ce sera la maximale attendue du côté de Grenoble. Pour la suite, pour la journée donc de lundi, on va retrouver dans l'ensemble des conditions anticycloniques avec des nuages un peu plus nombreux sur les côtes de la Manche, un temps plus instable vraiment qui va se mettre en place mardi dans le nord-ouest avec des averses orageuses et une perturbation qui va commencer à remonter par les régions du sud, donc un temps nettement plus agité à partir de mercredi prochain. On traverse tout de suite donc l'Atlantique. Demain dimanche, un temps gris et humide à Saint-Pierre et Miquelon. Nous sommes en pleine saison froide. Ailleurs, une météo calme avec quelques passages nuageux. Ils seront un peu plus nombreux en Guyane. Dans l'océan Indien, des averses orageuses à Mayotte. Le temps sera plus sec à La Réunion, malgré la présence de nombreux nuages là aussi dans le ciel. Et puis enfin, dans le Pacifique, des orages vont éclater à Wallis et Futuna sans grande conséquence. Pas de vigilance et ce sera plus ensoleillé et sec en Polynésie. Bel après-midi. Trouvé à Virginie Hilson-Lévy. Bonjour avec de bonnes nouvelles. Exactement, un temps donc très printanier encore pour cet après-midi avec du soleil pour tout le monde, profitez-en. On a quelques passages nuageux et quelques averses entre le sud-est et la Corse. Du côté des températures, sont presque des températures dignes d'un mois de mai. Regardez ce qui vous attend donc pour cet après-midi avec 20 degrés à Paris, à Bordeaux, à Lyon et 22 degrés, ce sera la maximale pour la ville donc de Grenoble. Alors demain, le soleil sera toujours au rendez-vous, donc vraiment pour tout le monde, ce sera à nouveau une belle journée. Quelques nuages dans les Hauts-de-France entre le sud-est et la Corse, donc profitez-en à nouveau, avec des températures qui seront encore élevées à l'après-midi, jusqu'à 23 degrés dans le centre-est. Et puis ensuite, un lundi au soleil, et ça va nettement se dégrader par la suite avec le retour de la pluie, surtout pour la journée de mercredi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Vous en parliez tout à l'heure avec de nombreuses régions qui souffrent de sécheresse. Effectivement, il faut donc en profiter. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 12-13. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Passez une très belle après-midi sur France 3. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.